Mikhail Baryshnikov présente les contes de mon enfance, réalisés par les célèbres studios d'animation russes Soyuz Multfilm. Aujourd'hui, nous vous proposons l'histoire de la Reine des Neiges. Mais où est-ce que je les ai mis? Peut-être qu'ils sont ici. Ah oui, oh, sans doute. J'ai dû les laisser ici. Oh, bien attendez, ça y est, je les ai retrouvés. Oh, voilà déjà, hein, au moins. Ah, j'ai certainement dû les oublier ici. La dernière fois, la nuit où j'ai fait de ces jolis rêves. Il faudrait que je sois plus prudent. Au fait, je suis très content de vous voir. Figurez-vous que je suis là pour vous raconter une belle histoire. Voilà. Cette histoire a été écrite par un homme célèbre, le grand Hans Christian Andersen, le meilleur ami de tous les enfants du monde entier. Nous sommes ici, dans sa maison, là où il écoutait les histoires merveilleuses que lui racontait sa grand-mère en écoutant le tic-tac de l'horloge de la salle à manger. Et d'ailleurs, c'est même lui qui m'a créé. Et c'est à propos de moi qu'il a dit « Personne ne connaît autant d'histoires que ce gentil et sage elfe, Olé Lokoïa ». Et cet elfe, c'est moi. Oh, mais pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Olé Lokoïa. Il y en a même qui racontent que je suis le dieu des rêves. Franchement, est-ce que j'ai une tête de dieu, à votre avis? Oh, je suis seulement un petit bonhomme très ordinaire, finalement. Et lorsque vous vous endormez, vous pénétrez dans le pays des rêves et c'est là que j'arrive. Vous autres, vous dormez bien tranquillement. Et moi, j'arrive tout doucement sur la pointe des pieds et je me cache derrière votre oreille droite. Et je me mets à souffler à l'intérieur de votre tête. Et tenez, comme ça. Et vous, vous ne sentez absolument rien parce que je suis tout petit et que vous... Vous dormez profondément. Et ce n'est que là que j'ouvre mon parapluie. Regardez. C'est mon parapluie à histoire. Alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer. L'histoire se passe dans une ville surpeuplée où les jardins fleurissent un peu partout. Voici notre grand conteur d'histoire. Bonjour, Madame Boulette. Bonjour. Oh, Gerda. Mais enfin, Gerda, mais fais attention, tu arroses Monsieur Andersen. Oh, tu crois qu'il est en colère? Non, il a ouvert son parapluie pensant qu'il pleuvait. Regarde, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Oh. Regarde, regarde là-haut, Gerda. Le papa hirondelle a apporté une branche à la maman hirondelle pour faire leur nid. J'ai une surprise. Regarde cette fleur. Je l'ai faite pousser rien que pour toi. Elle est belle, hein? Et moi, j'ai fait pousser celle-ci pour toi, Gerda. Tu sais ce qu'on va faire? On va planter nos deux roses dans un même pot. Oh oui, bonne idée. Laisse-moi t'aider.
Comme ça, nos deux fleurs ne seront jamais séparées. Elles seront toujours ensemble. Comme nous, amies pour toujours. Guerre ? J'arrive, maman. Gerta, viens manger. Oui, j'arrive. Si tu veux, demain, on jouera encore ensemble. Ah oui, ça me ferait plaisir. À demain. Le premier jour du printemps, Gerta et Kay se retrouvaient sur le jardin suspendu qui reliait les fenêtres de leur maison. Et lorsque le vent froid arrivait du nord et que la pluie de l'automne se transformait en neige, Kay passait les longues soirées d'hiver chez son amie Gerta. La grand-mère de la petite fille leur racontait des histoires du monde entier. Quelle chance nous avons d'avoir une maison bien chaude alors qu'il fait si froid dehors. Oh, regardez la première neige de l'hiver. Chaque petit flocon ressemble à un papillon. Savez-vous d'où ils viennent? Ils viennent du Grand Nord, bien plus loin que les mers froides, là où souffle la bise. Oui, la neige vient du pays où soufflent les vents glaciaux qui apportent le blizzard et la tempête. Voici l'endroit d'où viennent ces flocons de neige qui sont les représentants de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges ? Oui. Là-bas, dans le Grand Nord, là où la neige ne fond jamais, existe un magnifique palais fait de glace qui resplendit à la lueur des étoiles. C'est dans ce palais que vit la Reine des Neiges. Et est-ce qu'elle est belle, hein? Cette reine des neiges est si belle qu'elle en fait frissonner. Elle brille comme l'étoile polaire dans son royaume de glace, solitaire et insaisissable. Brisée par un brûlant chagrin d'amour, elle est devenue aussi glaciale que le paysage qui l'entoure. Ses yeux brillent comme un lac gelé qui ne reflèterait que son image. Elle arpente toujours seule les immenses couloirs de son gigantesque palais. Certaines pièces regorgent de trésors, mais le trésor le plus important pour la Reine des Neiges, c'est son miroir magique. C'est grâce à lui qu'elle peut diriger son vaste royaume de l'hiver. Je dois vous dire que lorsque le printemps arrive et que la neige fond, la reine s'affaiblit. Alors c'est pendant l'hiver qu'elle doit conquérir le plus de terres possible. Elle n'arrête pas de surveiller ce qui se passe sur le vaste territoire de son royaume. Et elle cherche sans cesse à capturer ceux qui ont le cœur rempli de chaleur. Ah, regardez, elle nous espionne. Gerta, elle ne peut pas entrer ici. Hein? Manon. Tu crois? En es-tu sûre? Tu n'as donc pas peur de la Reine des Neiges? Mais non, absolument pas. Si je l'attrape, je la mettrai sur la cuisinière. Et comme ça, elle fondra. Oui, oui, et elle disparaîtra. Adieu, la Reine des Neiges. Espèce d'insolent. Il ose me défier, l'arrogant. Venez à moi, cristaux acérés de glace. Volez à travers le royaume et percez le cœur de ce garçon pugnace. Tous ceux qui oseront défier la Reine des Neiges apprendront à leurs dépens que les châtiments les frapperont en cortège. Percez-lui l'œil, qu'il devienne laid. Percez-lui le cœur, qu'il devienne mauvais. Lorsque ceci sera accompli, il ne sera plus caille. Avec son cœur de glace, il fera peur comme un épouvantail. Oh, vous avez entendu? C'est une sacrée tempête de neige. Allons voir par la fenêtre. Kay, tu crois que c'est la Reine des Neiges? Oh non, ce n'est qu'un nuage de neige, c'est tout. C'est la Reine des Neiges! C'est nous qu'elle surveille! Oh, oh, oh. Je... Quelque
ça me fait mal. J'ai reçu un coup au cœur. Gay, mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, laisse-moi tranquille, va-t'en. J'ai plus mal du tout d'ailleurs, laisse-moi. C'est dégoûtant toute cette terre sur le plancher. Elles étaient affreuses ces fleurs. Affreuses. Yeah. Que se passe-t-il ma petite chérie? Grand-mère, oh. C'est terrible. Oh chérie, ma petite fille. Oh. Fiche-moi la paix! Mais d'habitude, on fait de la luge ensemble. Je tombe jamais. Je m'accroche bien à la luge. Tu tomberas pas? Mmh. Assieds-toi. Bien! Merde, doucement! Ah, tu m'as trouvé! J'étais sûre que tu allais tomber, pleurnicheuse! Regarde-moi, Kay. Je ne pleure pas. Je me suis fait mal, mais je ne pleure pas. Pleurnicheuse. Accroche-toi, moi. Regardez, l'orage se lève. Auras-tu assez de courage pour t'accrocher à mon traîneau? Si tu le fais, tu iras plus vite que tous tes amis. Allez, viens avec moi, Kay. Je te conduirai jusqu'à mon merveilleux palais, que personne n'a encore jamais vu. Viens. Kay! C'est la reine des neiges, Kay! Gerda, ensorcelée! Je ne veux plus jamais te voir, Gerda! Tu penses toujours que tu peux me faire fondre sur une cuisinière, Kay? On dirait que tu as froid. Allons, viens avec moi. Effectivement, tu as froid. Votre baiser est glacé. Oh, il est si froid qu'il me fait mal. Je ne t'embrasserai plus jamais. D'ici quelque temps, tu ne sentiras plus le froid. Fais-moi confiance, courageux petit Kay. Mon amour pour toi est rassurant. Plus jamais tu ne connaîtras le moindre souci. Je vais t'amener jusqu'à mon magnifique palais. Tu deviendras le petit prince de mon royaume et tu oublieras tout ce qui t'est arrivé dans cette vie. Les sentiments ne servent qu'à faire souffrir. C'est pour ça qu'il est préférable que ton cœur soit de glace. Courageux petit prince. D'ici quelque temps, ton cœur sera dur comme un diamant. Tu ne connaîtras plus la joie, mais tu ne connaîtras pas plus la tristesse. Tu ne ressentiras absolument rien. Tu deviendras comme moi,
ni heureux, ni triste. Tu n'éprouveras plus aucun sentiment pour personne. Et c'est ce qui rendra ta vie sereine et douce. L'hiver est passé, les saisons ont changé et Kay n'est jamais revenu. Alors évidemment, tout le monde a cru au pire. Tout le monde, sauf Gerta, qui dès le retour du printemps, lorsque la Reine des Neiges s'affaiblit, a mis ses jolies petites chaussures neuves et a embrassé sa grand-mère avant de partir. En effet, elle avait décidé de retrouver Kay. Dites-moi, petite hirondelle, est-ce que par hasard vous savez où se trouve le palais de la Reine des Neiges? Nous venons juste d'arriver du Grand Sud et ici il n'y a pas de palais. Est-ce que tu sais où se trouve mon ami Kay? Je n'en ai aucune idée. Et c'est quoi un Kay? Moi je viens juste de naître. Rivière, dis-moi, je t'en supplie. Sais-tu où vit la Reine des Neiges? Si tu veux, je te donne ma nouvelle paire de chaussures. Et en échange, conduis-moi au palais. Tu ne veux pas de mes chaussures? Toi, la rivière, tu peux aller partout. Tu vis même pendant l'hiver. Puisque parfois tu es glacée, tu dois bien savoir où se trouve le palais de la Reine des Neiges. Le palais. Le palais. Le palais. Ah, ça y est, tu as pris mes sabots. Ça veut dire que tu vas me conduire au palais. Mais où m'emmènes-tu? Oh là là là! Bonjour, délicieux enfant. Comme c'est aimable à toi de venir me rendre visite. Veuillez arrêter de faire du bruit. Arrêtez-vous, ça suffit. Alors, ma chère enfant, comment se fait-il que tu viennes ici? C'est la rivière qui m'a amenée. Tu as voyagé sur ce bateau? Tu dois être épouvantablement fatiguée. Est-ce que je suis au palais de la Reine des Neiges? La Reine des Neiges? Non, ici tu es chez moi. Viens. Votre jardin est magnifique, madame. Mon ami Kay et moi, nous plantions des fleurs avant. Viens, tu vas me parler de ton ami Kay. Une fois que tu seras reposée et que nous aurons mangé. Ne t'inquiète surtout pas pour ton ami. Viens avec moi, ma chérie. Nous allons nous installer dans le jardin. Asseyons-nous. Tu as bien le temps de retrouver ton ami Kay. Tu dois te reposer d'abord. Allez, allonge-toi et fais une petite sieste. Est-ce que vous avez vu mon ami Kay? Allonge-toi, chérie. Fais un petit somme et ensuite nous verrons. Oublie tout ce qui pourrait te tracasser, chérie. Que chaque jour que tu passes ici, ma chérie, te semble aussi court qu'une heure et que chaque semaine te semble durer un jour. Et oublie la Reine des Neiges. Dors, dors, petite. C'est contre sa volonté que Gerta s'est endormie. La dame qui l'accueille n'est pas une mauvaise personne, disons que de temps en temps, elle s'amuse à faire des tours de magie. En fait, elle a agi sous l'emprise de la Reine des Neiges qui contrôle tout. Elle surveille les tribulations de Gerta à la recherche de Kay. Mais
peu importe les obstacles que la Reine des Neiges met sur sa route. La gentille Gerta continue. Je me sens bizarre. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Les roses. Les roses. Rouge. Blanche. Blanche. Rouge. Laisse-moi t'aider. Elles seront ensemble pour toujours. Et jamais séparées. Non, jamais ensemble. Maintenant, je me rappelle. Gay ! Oh non ! Oh non, surtout pas ! Je vous en prie ! S'il vous plaît, soldat, ne faites pas de bruit ! Je ne veux pas que la dame se réveille. Je veux partir d'ici. Et la porte ? Petite porte de jardin. Il faut que je le retrouve. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Je t'en supplie. Merci beaucoup. Oh ! J'ai dormi pendant combien de temps ? C'est l'automne ? Et ici, c'est encore le printemps ? L'automne, je dois faire vite. Gay ? Elle avait dormi tout un printemps, tout un été, et l'automne était revenu. Le temps était compté maintenant pour Gerta, car à l'approche de l'hiver, la Reine des Neiges reprenait des forces, et dès que la première tempête hivernale serait passée, Kay appartiendrait pour toujours à la Reine des Neiges. Chère vague de l'océan, vous avez peut-être vu mon ami Kay. Bonjour à toi. Bonjour. Je m'appelle Carson. Et moi, je m'appelle Gerta. Ça fait un petit moment que je t'observe. Il est tard, alors je m'inquiétais. Est-ce que... Bien. Je cherche quelqu'un qui a disparu. Il a disparu depuis très très longtemps. Peut-être qu'au cours de vos voyages, vous avez vu mon ami. C'est un petit garçon blond qui s'appelle Kay. Kay ? C'est possible ? Viens avec moi, petite, suis-moi. Oui, j'arrive. Ce grand bâtiment, c'est le palais royal. Oh ! C'est le palais de la Reine des Neiges ? Le palais de la Reine des Neiges, non. Je suis sûr que dans son palais, il n'y a pas de musique aussi jolie qu'ici. Gerta, voici mon épouse. Bonsoir, madame. Karanna travaille au palais royal. Elle est gouvernante des enfants de sa majesté le roi. Et ce soir, le roi donne un grand bal costumé pour tous les gentilshommes de la cour. Mais... tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Mais voyons, ma chérie, tu n'as pas de chaussures. Ah oui, c'est vrai. Je les ai données à la rivière. Karanna, il doit bien y avoir une solution. J'ai une idée. Dans quelques heures, lorsque tout le monde sera parti et le bal terminé, je t'aiderai à pénétrer à l'intérieur du palais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mmh.
Ça y est, maintenant tout le monde dort dans le palais. Ouais. Chut, chut, pas de bruit. Tiens, prends la lanterne. Merci, Carson. Il y a quelqu'un là-bas. Comme elle est amusante. Elle croit qu'il s'agit d'un homme. Regarde, il ne s'agit que d'une vieille armure vide. Écoute. Tu as entendu? L'armure est vide. Je vais devoir attendre longtemps avant de retrouver Tien. Chut, tu ne dois pas parler à cause des gardes. Cache-toi derrière le pilier, cache-toi. Allez, remets-toi, ma petite. Tu n'as absolument rien à craindre. Et maintenant, il faut te taire. Regardez, une autre armure. Ça alors, c'est bizarre. Ça ne fait pas le même bruit. Mais ça, c'est parce que... c'est un garde en chair en os. Eh bien, allons-nous-en d'ici avant qu'il ne se réveille. Fais pas de bruit, surtout, parce que... Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Kay? Tu es là? Calme. N'ayez surtout pas peur de moi et expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Je vous supplie de me pardonner ainsi que mes amis. Ils voulaient seulement m'aider. Oh, mais qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Je pensais que vous étiez Kay, mon ami. Qui ça, moi? J'ai déjà remué ciel et terre pour le retrouver. Oh, comme c'est romantique, j'adore ça. Veuillez les lâcher, garde. Vous attendez? Allez, maintenant, laissez-nous tranquilles. Enfin libre. Garde, faites demi-tour et partez. Pas de ce côté, de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai dit. Je vous en prie, ne pleurez plus.
Ça me rend triste de vous voir pleurer. Oh oui, moi aussi. Arrêtez de pleurer. Et voilà, le petit garçon n'était pas Kay. C'est bien triste. Mais enfin, où est Kay? Venez me voir. On va le trouver. De la glace. Ici. Au nord du globe terrestre, c'est là que se trouve le royaume de la Reine des Neiges. Pendant que Gerta racontait son histoire au prince et à la princesse, Kay était chaque jour un peu plus sous la domination de la Reine des Neiges. Pauvre Gerta, peut-être ne réussira-t-elle jamais à délivrer son ami. Diamants sont vraiment plus parfaits que des fleurs. Tu as tout à fait raison, petit Kay. Ils sont absolument extraordinaires. Ils n'ont aucun défaut et ils brillent de mille feux. Je te félicite. Bravo, Kay. Mais, cela dit, ces diamants n'ont aucun parfum. Kay... Je te l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas t'attacher aux souvenirs de ton ancienne vie. Rappelle-toi que dans l'existence, il n'existe ni joie, ni tristesse. Non, tu dois oublier ce qui t'a fait souffrir, Kay. Oublie tout. Oui, c'est promis. Oublie tout. Oublie tout. Est-ce que tu sais ce qu'est la joie, Kay? Non. Et la beauté? Non, aucune idée. Te rappelles-tu de ce qu'est l'amour, Kay? L'amour, c'est... j'en sais rien. Oh, si! Les deux roses. Et Gerta. Gerta! Tu te rappelles encore de Gerta? Oui. Ça ne fait rien, je te comprends. D'ici quelque temps, ton cœur sera aussi dur que le diamant le plus pur. Tous ces souvenirs disparaîtront alors de ton esprit, et ceci par la force de ma volonté. Gerta, nous avons le plaisir de vous offrir ce carrosse. Et aussi ce manchon pour réchauffer vos mains. Au cas où vous auriez faim pendant votre voyage. Nous avons fait préparer quelques victuailles. Je ne mangerai pas tout ça, même si je dois vivre jusqu'à 150 ans. J'espère que tout se passera bien pour vous. Maintenant que vous avez votre voiture, vous n'aurez plus besoin de marcher. Merci beaucoup. Vous êtes si gentil. Au revoir, Gerta. Fais bon voyage. Sois prudente. Au revoir à vous tous. Je ne vous oublierai jamais. Nous espérons que vous retrouverez Kay le plus vite possible. Hey, au revoir et encore merci. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Avec Kay, à bientôt. Comme ils ont été gentils. J'ai eu beaucoup de chance. De la chance. L'hiver va bientôt arriver. Jamais elle ne retrouvera Kay avant la première tempête, car c'est moi qui contrôle la férocité de l'hiver, l'épaisseur de la glace sur les rivières et la durée des tempêtes de neige. Tu n'as aucune idée de l'importance de mon pouvoir, mais tu vas sûrement être étonnée.
Hey, venez par ici. Oui. Le carrosse ne va pas tarder à arriver. Oui. Qu'est-ce carrosse, les gars, hein? De l'or, de la fourrure et une petite fille. Comme tu es joliment habillée, ravissante enfant. J'aime beaucoup ton bonnet, tu sais, petite princesse. Je veux ton manteau. Même s'il est trop petit pour moi. Arrête, voyons, tu me fais mal. Arrière. Arrière. C'est mon jouet à moi. Donne-moi son manchon. Allez. Ce n'est pas juste. Reposez-moi. Reposez-moi sur le sol. Hé, laisse-la tranquille. Ça suffit. Ils ne te feront plus rien maintenant. En tout cas, tant que je les surveillerai. Tu entends? Oh! Je te les donne. Le bonnet aussi. Oh, prends tout ce que tu veux. Allez, viens. Mais où allons-nous? Voir qui? Rum dum 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 dum. Time to die. Don't you ever die. Separate a robber from his gold. We'll sneak up on you, because that's what robbers do. Ainsi que vous avez pu le voir, mes chers petits amis, la reine des neiges a causé bien des soucis déjà à la douce Gerta, mais cette dernière a réussi à échapper à tous les pièges. Mais ceci dit, j'ai bien peur que cet obstacle ne soit trop important pour notre héroïne. Enfin, continuons, nous allons bien voir. Viens par ici, suis-moi. Tu vas vivre ici. Avec tous les autres. Ce sont tous mes jouets. Ce jouet-là est le plus méchant d'entre tous. Bonjour, Claude. Et ceux-là, je les ai capturés dans la forêt. Pauvre petite créature. Allez, danse. Danse comme je te l'ai appris, grand reine. Allez, vas-y, danse. Tu te rappelles de ce qui t'est arrivé lorsque tu as refusé de m'obéir, hein? Oh, non! Non? Mais je ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Ça suffit! Je vais rien lui faire. D'accord. Tu es contente comme ça? Oh, il est gentil. Écoute. Moi, je suis le chef de la bande, et toi, tu es mon nouveau jouet, tu as compris? Vilaine petite princesse trop gâtée. Mais je ne suis pas une princesse. Je suis une petite fille comme les autres. Et je suis à la recherche de mon meilleur ami, Kay. Il est prisonnier dans le palais de la Reine des Neiges. Ah bon, il est prisonnier dans un palais? Mais où ça? Je n'en sais rien. Tu es sotte. Assieds-toi et raconte-moi toute l'histoire. Vas-y, je t'écoute. Kay, le plus gentil petit garçon au monde.
Mais un soir, pendant une tempête de neige, la reine des neiges est apparue. Et elle a jeté un sort à mon ami. Il est devenu un autre petit garçon, glacial et insensible, comme la reine des neiges. Quelques jours après, elle est arrivée sur la place de notre village. Et Kay, qui était sous son emprise, a disparu avec elle. Kay est parti. Il s'est volatilisé avec la reine des neiges. Et ils sont partis vers le Grand Nord. Attends, attends! Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Tu sais, je voudrais tellement avoir une amie comme toi. Je suis si seule ici. C'est vrai? On l'a vu, Kay. Ton ami Kay est passé près de nous. Il était accompagné de la Reine des Neiges. Oh, vous l'avez aperçu? Le traîneau de la reine est passé près de notre nid. Oui, sur la route de la Laponie alors que nous étions encore des bébés. Le souffle de la reine des neiges a gelé notre mère. Il a fait de nous des orphelins. La Laponie? C'est où? Moi, je sais. Je suis originaire de Laponie. Oh, comme je regrette mon merveilleux pays. Oh, taisez-vous un peu, ça suffit. Oh, non, puisqu'il s'avouait qu'est. Assieds-toi. Je suis certaine qu'ils nous ont raconté des histoires. Oh non! Nous avons vu Kay! Nous en sommes persuadés! On l'a bien vu! Mais moi aussi, je l'ai vu. C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? C'est une bouteille. Oh, la marine. J'ai une idée. Écoute-moi, je veux bien te laisser rentrer chez toi, mais à une seule condition. Conduis la petite chez la reine des neiges. Oh, ce serait formidable. Je te remercie de me rendre la liberté. C'est merveilleux. Taisez-vous. Silence. Sinon, je ne libère personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, ça y est, tu es libre. Tiens, reprends ton bonnet et ta paire de mitaines. Merci beaucoup. Ton manchon aussi. Merci infiniment. Attends, finalement, je garde le manchon. Allez, vite! Partez! Merci infiniment. Tu as un cœur grand et généreux. Oh, laisse-moi. Il est temps de partir. Et peut-être qu'un jour... oui, peut-être que vous reviendrez. Allez, partez maintenant. Au revoir et merci encore. Tu es formidable. Oh, ça suffit. J'ai horreur des effusions. Allez, disparaissez! Zou, allez! Bonne chance. Au revoir. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir. C'est de ma seule amie. La seule personne que j'ai jamais aimée. J'ai décidé de vous libérer. Oh, allez-vous. Oh, mais la liberté. Mais vous, les oiseaux, allez, prenez votre envol. Regardez, elle pleure. Non. J'ai besoin de personne. De personne. Laissez-moi. Je sais bien que vous n'êtes pas de vrais jouets. Mais je voudrais être des amis, enfin. Le lac est
La glace a l'air très épaisse, mais je ne suis pas sûr qu'elle supporte notre poids. Gentille reine, je dois retrouver Kay. Il faut que tu m'aides. J'ai un peu peur. Il faut qu'on essaye. Bravo, gentille reine, bravo! Oh, quel courage vous avez! Il est vrai que la Reine des Neiges est passée dans notre pays, mais c'était il y a bien longtemps et elle ne s'est pas arrêtée chez nous. Et Kay, l'avez-vous aperçue? Il me semble qu'il l'accompagnait. Ce petit garçon avait l'air d'avoir froid. Oh non! Gentille reine, il faut que tu m'aides à sauver Kay, s'il te plaît. Il est important que vous le retrouviez avant que la première tempête de neige de l'hiver ne finisse. Alors, j'ai une idée. Vous allez emporter ce message. Voilà, tu n'auras qu'à donner ça à mon amie de Finlande. Elle t'aidera. Tu es libre! Libre! Tu es libre à nouveau! Bienvenue à la maison! Mes chers amis, c'est vrai que je suis à nouveau libre, mais je dois tenir une promesse. Je reviendrai au pays ensuite. Elle aurait besoin du courage et du soutien d'au moins une douzaine de reines. Oh non. Cette petite fille déborde de courage. On n'est jamais aussi fort que quand on aime quelqu'un. Mais très bientôt, Kay appartiendra à la reine des neiges. La tempête se calme lentement. Alors, il lui reste très peu de temps. Il faut que je parte dès maintenant. Elle va mourir de froid. Oh oui. De froid. Courage, gentille reine. Nous devons continuer. Oui. Je vais essayer. Je vais essayer. Je suis épuisé. Je t'en supplie. Encore un peu de courage. On va y arriver. Courage! Bertha, les forces m'abandonnent. Non, relève-toi. S'il te plaît, relève-toi. Fais un effort. Je dois retrouver Kay, il le faut. S'il te plaît, s'il te plaît. Jamais dû t'embarquer dans cette aventure. Pardonne-moi. Non, c'est à toi de me pardonner. Je reviendrai te chercher, je te le promets.
Tempête de neige, blizzard et vent froid, protégez mon palais. Vous devez absolument empêcher cet enfant d'arriver jusqu'ici. Elle ne devra jamais atteindre mon palais. Tourbillon glacial, soufflez de toutes vos forces. Glace, sois plus froide que tu ne l'as jamais été. Empêchez cet enfant, Tété, d'arriver ici. À la fin. Mais Kay, c'est moi, Gerta. Tu m'as donc totalement oublié. Essaie de te rappeler de moi, Gerta. Arrête. Tes larmes me font souffrir. De la Reine des Neiges. Ah, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Gerta! Oh, Gerta! Ça y est, tu m'as reconnue! Ok! Oui! Oui! Tu m'as tellement manqué! J'étais si seule sans toi, Gerta! Oui! Tu as raison. J'ai perdu. Je n'ai aucun pouvoir contre la chaleur de deux cœurs qui s'aiment. Nous sommes libres! Rentrons à la maison. Mes amis! Je serai toujours là pour vous deux. Merci, Jean-Pierre. Croyez toujours dans la force de votre amour. C'est promis. Merci de votre aide. On vous oubliera jamais.
profitez bien de la vie. Merci, à bientôt. Ça y est, notre jolie histoire touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera à faire de beaux rêves et que nous nous reverrons bientôt.